Alors, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog au Brésil. Alors, aujourd'hui nous sommes le 2 mai 2017. Il fait pas beau à Florianópolis, mais on s'en fiche parce que nous partons ce matin direction Rio de Janeiro. Le réveil a été un petit peu difficile, d'où mon aspect un peu endormi. On s'est réveillé à 7h, donc là on est en train de finir de fermer les valises, de se préparer. On va aller prendre le petit déj et puis on va aller prendre notre avion, tout simplement. Donc voilà. Lana, on l'a mis devant la télé, mais elle a beaucoup de mal à se réveiller, la pauvre. Oh, c'est dur. On la voit pas. Enfin voilà, on vous embarque. Sinon, je trouve que les animations à la télé brésilienne, elles font un peu peur. Et encore, hein. Eux, ça va. C'était les messieurs qui étaient un peu flippants. Eux, ils font un peu flipper, hein. Ah, la mamie, elle. On dirait qu'elle a abusé sur la chirurgie esthétique. Bah, c'est peut-être ça en fait. Hein. C'est l'image qu'il m'a mis au Brésil. Nico. Quoi? Lui, il a des espèces de taches de rousseur, on dirait des pustules là. Ouais, c'est horrible, hein, mais franchement, ça fait flipper ça, quoi. Par contre. Ah oui, je vais aller. Ils sont pas trop mignons. Ok. Alors nous ne déjeunons pas à l'hôtel aujourd'hui, on va aller dans un autre endroit qui apparemment est moins cher et plus copieux, qui est à quelques mètres de l'hôtel, donc du coup voilà. Ok. On va manger là, coffee shop. Un bon petit chocolat chaud pour recommencer la journée. Transmission de chansons en deux générations en génération. Quand j'étais petite, je dansais que là-dessus. En même temps, elle est sortie, j'avais 2 ans la chanson. On va où? À Rio de Janeiro. On va à l'avion. Ah, dans l'avion? Nous voici arrivés à l'aéroport de Florianópolis. Donc on dit au revoir aux deux titines, au pick-up et au petit espèce de kangou. Et on va aller mettre les bagages, enregistrer les bagages et on va prendre l'avion. Tout simplement. Je crois que j'ai jamais fait un enregistrement avec autant de bagages. Et ben voilà, ça c'est efficace. Ah, comme ça on s'occupe plus de vous, vous occupez de Théa, c'est bon? Ça me va moi. Attention, accident! Avance. Oh, les petites voyageuses. Les petites voyageuses. Il faut que je trouve un sticker de Rio. Gardez les bouteilles pour mettre derrière sa valise. On peut garder la sécurité la plus petite de la Terre. Peut-être que rapide, efficace, c'est très bien. C'est énorme. Jamais vu ça. Bella, pousse-toi, pousse-toi. Allez, Lana, Bella, go! Allez, go! C'est tout mon bordel là. Voilà, donc ça, c'est la salle d'embarquement. Et en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5 portes. À 5 portes, c'est minuscule, c'est trop agréable. On peut avoir à marcher dans 10 ans pour trouver sa porte. Allez, 1, 2, 3, le compte est bon.
Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. No Brésil, les gars! Allez! Deixem todos os seus pertences a bordo. Localize o seu equipamento de flutuação indicado no assento à sua frente. Se for um assento flutuante, coloque seus braços sobre ele e segure usando as alças. Se for um colete salva-vidas, você o encontrará embaixo do seu assento. Retire-o da embalagem. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'apprendre à Lana comment faire les poissons. Elle a trop bien compris. Tu fais le boucle. Voilà. Et tu fermes. Très bien. L'œil. Le coussin dans l'autre main et Nico. Bon là il y a une boutique à Vaianas. Bon là c'est plus cher que partout donc je prendrai pas là. Mais j'ai trop hâte de dévaliser à Vaianas. Droite. Pour les enfants, c'est trop beau. Sinon on était les seuls en fait à avoir mis des bagages dans l'avion je crois. Et avec nos valises sur le tapis roulant. Et les poussettes. En tout cas rapide, efficace. On vient juste de sortir de l'avion, on a déjà tout. Go. Il y a un chauffeur qui vient nous chercher avec un gros van normalement. Pour nous emmener à l'appartement. Oui, notre chauffeur. Voilà. J'ai toujours rêvé d'avoir quelqu'un avec le panneau qui va nous chercher. Et ça, c'est notre vanito nito. C'est notre vanito de Rio. Ouh, fait du bruit le vanito de Rio. T'as vu, c'est notre gros vanito pour être tous ensemble dans la même voiture. Pas trop bien. Allez, c'est parti, bagage time. Tu dis toi 15 places, c'est pile ce qu'il faut, quoi. Je sais pas qui c'est qui a organisé, mais il a très bien fait. Alors, après les room tours, voici le car tour. Oh là là, les sièges, ils sont tout moumoutés. Oh, on a un écran, s'il te plaît. T'as vu? Oh non. Et les poupées, elles se mettent où, les poupées? Tu veux te mettre à côté de Tata Giovanna? Oui. Tu veux quel siège? Celui-là, là où tu es? Je te mets le siège auto là? Et les petits rideaux et tout. Oh, regarde, il y a le petit truc en haut pour mettre les sacs. Mais c'est un truc de ouf ça! Truc de ouf! La télé? Oui, une télé, mais je pense que c'est pour nous montrer des images de Rio de Janeiro, oui! Truc Rio de Janeiro et maquée. Bon, Chouchou, faut qu'il change sa casquette qu'il avait dans une du Brésil parce que la Jamaïque, on n'en peut plus. Ouh, c'est parti. Suivant, tout le monde est installé. Oui. Moi, Chouchou. On a Rio, moi, Chouchou. Ça, je connais. Le Christ là-haut, là. Regarde bien là en haut, tu vois une tige. Ah attends, on le voit plus dans, dans les nuages. Oh non, énorme. Là, il y a les favelas là, là-haut. Le problème, c'est que ça fait
40 minutes de favelas. Tu le vois? Oui. Bon, désolé, c'est bon. Je crois qu'on est arrivé dans notre petit chez nous pour 3 jours. En fait, bah, sur le palier, il y a... Bah, il y a nous. On va dormir. Là, tu sens ça? Oui. Voilà. Oh, punaise, oui. Oh, ma... Ok. Voilà, oui, effectivement, c'est un peu lumineux. Là, il y a une salle de bain. Et sinon, l'appartement est où? Bah attends, parce que là, il n'y a que la cuisine, il n'y a rien. Ça doit être là-bas. Lolo, passe à gauche. À droite. L'arnaque, là-bas, il y a une salle de bain, puis il n'y a plus rien. Tu fais, ah, bon, ça va être compliqué. Trop énorme. Ah oui, bah ça, c'est la porte où on était. Donc il y a vraiment encore une salle de bain. Ici, maman. Oh, il y a plein de chambres, regarde. Waouh, une chambre. Ah, celle-là, elle est éteinte, mais... Il y a une autre chambre. Ah, il y a un lit bébé, là. Ça, c'est pour tata Claire. Claire, t'as un lit bébé dans ta chambre. Oh, tous les placards, malheur. Et là, il y a encore une chambre. Ah, là, il y a deux lits. Ah oui, d'accord. Donc ça, ça va être partagé. Et là? Et deux matelas en plus pour toi et Bella, quelque part. Ah. Énorme! Énorme! Et la vue qui tue. Oh. Trop énorme. Ça va, Lana? Dure ta life? Ça va attirer du monde. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, Lolo? Il faut qu'on retire tous les bijoux, tous les trucs qui sont apparents. Dans l'appartement, ça risque rien. M'enlever mon alliance. Jay, qu'est-ce qu'il vient de découvrir? Il y a le cristaux depuis notre chambre. Donc là, c'est notre chambre qu'on va partager avec eux. Qu'ils ont pas intérêt de me réveiller pendant la nuit, sinon ça va mal se passer. Bah ça va mal se passer alors. Hein? Ça va mal se passer. Hein? Alors nous sommes à Ipanema, on a laissé un peu tout le monde à la maison, on n'est que nous quatre. Et ah oui, il y a des coconuts. Ah ouais, des fruits, oh là là. Et on fait les courses, parce que comme on a l'appartement, on va en profiter pour cuisiner un peu. Oh là là, les ananas, les coconuts. Il y a des coconuts. Lana, elle va être trop contente. Allez, c'est parti pour les énormes courses. Mon premier supermarché brésilien. Bah dis donc, il y a des fruits partout. Bah ça manque pas de fruits et de légumes hein. Oh, du fromage. Ah, du fromage. Du fromage. Claire, du fromage. Il y a de la vache qui rit version président. Miam miam miam. Il y a plein de fromage hein. Ils ont plus de fromage que chez nous. Oh. Quoi cette arnaque? Faut trouver du parmesan pour les pâtes. Oh, il y a de la fondue. Non mais c'est un truc de ouf, il y a de la fondue. Et le rayon yaourt, voilà, ça fait tout ça. Aux États-Unis, ça fait ça. Et là, ça va jusqu'à là-bas. C'est un truc de ouf. C'est trop bien. Ouais, j'ai pris ça là. On va peut-être en prendre un peu plus. J'ai pris du conditionneur pour les filles, du savon et du shampoing parce que bah, on n'en a pas pris. Donc les trucs d'hôtel, ça va bien, mais là, il n'y en aura pas. J'ai pris tous les petits tubes du coup. Moi aussi. Oh là là, regarde les baby doves comme c'est mignon le packaging là. J'aime trop ça. Moi je veux ça. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Oh là là, les petites baguettes là, elles ont l'air trop bonnes les petites baguettes. Et après la version américaine, voici la version brésilienne. Avacaqueri. Oh non. Ah oui. Ah non, mais si Kinder Surprise, on est obligé là. Moi j'en ai pas aux États-Unis, c'est interdit. Oh non. Oh non. Oh non. Kinder Chocolat, Claire. Il y a du Milka. Et c'est bon, moi je vais déménager au Brésil. Hein. C'est fini.
J'ai pris des comme ça, on prend des surprises. C'est trop cute l'emballage individuel de Kinder Surprise quoi. Ouais, ça fait 2-3 euros. C'est un truc de ouf. C'est cher. Parce que c'est... Enfin, parce qu'il y a... Ouais, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah, t'as vu, il y a des enfants, ils sont tous différents sur le packaging. Bon. Açaï, c'est super bon. Ah oui, banana, c'est bien, banana. On va faire simple pour les filles. Hein. Massa et banana, c'est banana et... Ah, mais ça, non, c'est pas trop... C'est mal mélangé. C'est de la mangue. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est ananas ça? Ananas. Ah, c'est bien ananas, Anna l'aime bien. Donc ben voilà à quoi ça ressemble les courses. C'est trop bon ça. Moi j'aime trop ça. Elle est partie au jeu, banana. Je sais pas, elle est partie avec Claire je crois. Les petits là-bas ils ont l'air trop bons. Voilà, des yaourts, des compotes, du Lipton Ice Tea pêche, du Vilka. Des pâtes, je crois, manger pas de carbo. Enfin voilà. On va pouvoir bien manger. Et Giovanna elle a voulu prendre ça. Elle connaît bien. Des chips. Et des laises, de la vache qui rit. Ah, des galettes de riz trop fort. J'ai pas vu que vous avez pris ça. Du chocolat à boire comme ça. Enfin bref. On va pouvoir se péter le bidou. Se péter le bidou. Qu'est-ce que ça a pris? Du thé? Ah oui. Pour maman. Eh oui. Il faut penser à tout le monde. C'est parti. Allez. Parti. Allez, allons payer maintenant. Hein. Ouh là là, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ouh. Non, on est beaucoup. Heureusement qu'on est 2000. Hein. Les carottes, c'est ça, c'est des carottes transgéniques, les trucs quoi, elles sont immenses. Transgéniques. Tu leur en donnes une, ça leur fait leur pas aux gamines quoi. Mais au moins, on peut couper les petits bouts et mettre dans un sachet plastique. D'ailleurs, ça. Et embarquer. Et embarquer pour la journée, c'est ça? Oh, oh bah t'as failli te prendre un. Allez. Payons, payons. Faut pas parler français alors on va faire une chagrin. Ah oui, c'est vrai. D'accord, alors, bégala. Avec DS de partout. En fait, ça roule pas. C'est tout plat. Ça roule pas. C'est la dame qui vient chercher. La pauvre, elle doit se péter le bras, aller prendre au fond à chaque fois. Oh punaise, ils nous donnent des cartons. Oh oui. Oh là là. Oh là, c'est une expérience. Hein. C'est une expérience. Parce qu'il faut qu'on marche évidemment jusqu'à l'appart. On n'est pas côté-côté. On en a eu pour 200 balles. Ouais, ça donc ça va, c'est pas cher. Ça dans la bourse pour 800 balles. Non, en fait, c'est 200. Ah ouais, on va bouffer, on va se péter le bidou. Ah allez, ah ouais, moi j'ai la dalle, j'en peux plus. Quelle heure il est? Il doit être 3h, 4h. Comme d'hab, quoi. Ah, je vais lâcher la caméra parce que je lâche la bouteille d'eau. Et sinon, il est 16h30 et il est temps de déjeuner. C'est le goûter là. C'est le goûter, pas de carbo. Oh là là, on va se péter le bidou avec du bon parmesan là-bas au fond. Oh, j'ai tellement la dalle. Tellement la dalle. Avec du petit Lipton Ice Tea. Oui, oui, oui. Alors le camembert, il était là-dedans, dans une boîte de conserve. Il est prêt là-dedans. C'est marrant. C'est parce qu'ils doivent peut-être le transporter pas au frais. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas exactement combien de temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il reste encore un petit peu dans la bouche. C'est terminé. Montrez-moi la bouche. Oh, tiens, t'es du colon, t'es du colon. Trop fier de toi. Bravo, Lana. Ouais. Lana, c'est une championne. Lana, elle a mangé une assiette de grande et elle a tout mangé, elle a pas fait de caprice. Et c'était la première fois qu'elle mangeait des pâtes carbo et du bacon. Top là. Bravo mon bébé. C'est de l'amour. Quelle main? Quelle main? Non mais à moi, quelle main? Alors il est 20h20 et nous allons dîner dans un restaurant. Voilà. Pour le goûter, non, il est 20h20. Mytho. Bon, il fait méga bon. Ouais, t'es pas vraiment sur la Côte d'Azur, mais si tu veux, ouais. Sur la Côte d'Azur. Il fait super méga bon. Ça change de là où on était jusqu'à présent. Le soir, ça descendait vachement comme chez nous, en fait. J'aime trop les pavés, c'est trop beau. Voici le resto où nous sommes. Nous avons fait toute la table du fond. C'est ça, garota de hipona, ça doit être bien. Ils sont fous. Ah.
belle maman. Belle maman, elle va se faire écrabouiller. Il y a le bus, il y a le bus, tout va bien. Ils sont au bord de la route. Il avait sur la route. Ils sont au milieu de la route. Pas du tout dangereux ce. Pas bouger, bougez pas, bougez pas. Oh putain, c'est un truc de ouf. Allez. Ça s'appelle Laurent, ça ? Caï Pirinha. Caï Pirinha. Caï Pirinha. Tout le monde a ? Eh ben, autant vous dire qu'on va tous. Hein, voilà. Ah non, Lana, c'est de l'alcool, tu l'es. Et c'est trop bon. Tu as pas un petit gamin pour le dire. Est-ce que tu peux demander un pineapple juice ? J'ai déjà demandé. Ah, parfait. Qu'est-ce qu'il y a dedans le Carini Pirinha ? Voilà, Caï Pirinha. Il y a du citron vert, de la cachaça, du sucre de canne et beaucoup de glace. C'est le cachaça qui est l'alcool. C'est pour ça qu'on le shake, parce qu'il faut la diluer un petit peu, parce qu'il n'y a, que la glace qui va diluer l'alcool en fait. Oui, oui, chin, nana, parce qu'elle est remplie à bord. Salut, Saoud. Tiens, tout le monde. Ça monte pour toi. Chin, papa. Allez, hein. Alors ça, c'est de la viande roulée mélangée avec une pâte, selon Nico. Kébé. Comme Liban, apparemment, parce que monsieur était au Liban. Et ça, c'est de la crevette. C'est un petit beignet de crevette, typique d'ici. Ouais, mais là il y en a pas des crevettes entières, c'est comme ça, tu veux comme ça? Des petites chips maison qui ont l'air juste trop bonnes, comme tout le reste. Comment t'appelles ça? Carao de morue. Ah, c'est acra de morue. Acra, ouais, c'est ça. Acra de morue, comment t'appelles ça en portugais? Bolinho de bacalao. Bolinho de? Bolinho de bacalao. C'est de la crâne morue panée? Non, c'est de la crâne morue et il a eu le frais, ouais. Il y a de la pomme de terre dedans, c'est pour ça que ça devient un petit peu. Il y a aussi du petit poulet comme ça. En fait, on prend des petits plats et on partage pour goûter les spécialités. Qu'est-ce que tu goûtes, chouchou? Je sais pas, mais apparemment. Ah oui, ça a l'air de piquer. Hein. C'est du tabasco. Et ça, avec les bolinos des bacalao. Et bolinos des bacalao. Je retiendrai jamais les noms, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Vas-y, goûte, chouchou, goûte, on va voir ta tête. Mouille, mouille, mouille. Chouchou n'est pas sensible de la pication. Ah bah alors c'est que ça pique parce qu'il n'est pas sensible. Waouh, c'est du tabasco. Ça doit être fort. Plus sensible. Allez, un petit peu de... Ah bah oui, bah tiens, t'as raison. Faut éteindre le mal par le mal. Ouais, ça doit être ça. Ma petite chaise régale de chips. Vas-y, qu'est-ce que tu vas manger, chouchou? Déjà la sauce est piquée, donc là c'est un piment qui était dans la sauce. Allez, 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 allez mon chat, allez. Allez, courage, courage, chouchou, courage. Ça lui fait rien du tout. Ah si, ça pique un peu. Ah, on voit la petite veine du front qui sort. Il va pas bien, il respire plus. Ça pique sur le côté gauche de la bouche. Sur le côté gauche et pas sur le côté droit. Tu l'as mangé en entier? C'est un peu d'eau. Non. Ah. Alors, on fait la première conclusion de groupe. On espère que le vlog il vous a plu. À deux. Et bisous. Et qu'est-ce qu'on fait demain? On va visiter Rio. Voilà, c'est tout.